Donc là, ce matin, ça va être sondage. Voilà, pour autant de trouver les spots, les cannes comme il faut. On va mettre le tout en œuvre pour pouvoir toucher un et plusieurs poissons durant toute cette session. Déjà, il y a du poisson sur le secteur, déjà. Déjà, on a la. Toi, t'en as vu un. Ouais, déjà. Et puis, la pression atmosphérique, elle est pas mauvaise. On a un temps qui plus devrait. Plus vieux, mais j'espère poissonneux. Le vent est bon. Voilà, on a toutes les conditions pour éventuellement faire déclencher une touche. Donc, à nous de faire le nécessaire. Ouais, bah écoutez, on va finir de déjeuner et, avant qu'il fasse jour. Et puis on va s'occuper de tout jour. Ça. Go, go, go! Allez, on vous tient au courant. Ciao les gars! Donc pour cette partie de pêche en lac découverte, donc j'ai commencé par un petit montage tricheur avec une bille hippie sec et un faux maïs rose. J'ai une canne aussi qui pêche avec une pop-up et une big. Voilà mon petit montage équilibré. Et puis une Tiger XXL que j'ai pelée. Voilà, comme ça, ça l'a rendu blanche. Et avec une petite pineapple. Voilà, une petite pop-up. Trouver trois petits spots apparemment qui sont pas trop mal, donc on va étendre ça et puis je vous tiens au courant des événements tout au long de cette session sur le lac de Morvan. Et voilà, on vient de rejoindre Damien, il va nous expliquer, apparemment il a changé de spot. Salut les gars. Ouais, je trouvais quelque chose de pas mal là. Un petit plateau entre 7 mètres et. Ça commence à 7 mètres et ça remonte à 6 mètres 50. Et j'ai deux belles souches là où je suis là. Il y a deux belles souches. Sur un petit plateau là, on est à 6 mètres 50. Après, ça remonte tout doucement, mais il y a un beau petit plateau là. C'est mou, mais c'est pas vaseux. Donc c'est pas mal. Deux belles souches et après on remonte et je vois des poissons, il y a des poissons au fond. Il y en a entre deux eaux, il y en a au fond. Donc là tu as changé complètement de spot là. Ouais, là on va. Là je vais pêcher un peu plus en profondeur. Parce que je vois que le poisson il est quand même au fond. Donc un peu plus en profondeur. On est sur du mou mais sans toit. Et après, ouais, après ça remonte. Après ça remonte direct. Là on est déjà à 5 m60. Eh bien bonjour à tous. On est mercredi matin. Toujours pas un poisson en vue. Hier après-midi on a fait simplement une décroche. Et là franchement c'était le déluge toute la nuit. De la pluie, du vent, de la pluie, du vent. On a très peu dormi. Parce que l'eau a monté. J'ai pas voulu qu'elle monte d'un seul coup pour me retrouver avec de l'eau dans le bibi. Donc pour l'instant ça va, ça a l'air de stabiliser. Et le reste de la semaine ils annoncent pas mauvais. Donc enfin plus de pluie, temps gris mais toujours plus de pluie. Donc on croise les doigts pour sortir un poisson. Ça a l'air d'être un peu compliqué. Eh bien on vous tient quand même au courant des événements tout au long de cette session. Et bien voilà, après quelques décroches, on va partir un peu plus sur l'équilibré et du flottant. Voilà, on va essayer de décoller à peu près de 3-4 cm non montage. On va varier aussi sur les couleurs. Avec le CC, la blanche, là avec une petite pop-up jaune. On tâche de varier. Voilà. Là on a mis en équilibré
du faux maïs. En espérant que ça touche. Hein, parce que les poissons ont l'air de prendre à tatillon. Donc en mettant quelques billes denses, ils vont avoir la force pour avaler. Et quand ils vont tomber sur les billes flottantes, bah, ça va monter directement dans la bouche. Et on espère faire du poisson, parce que là en ce moment c'est un peu compliqué. On doit faire 3-4 décroches, car comme je dis, les poissons prennent un tatillon. Allez, c'est parti, on va faire une dépose. Donc là, bah, pour plus de... On y va tranquillement à la rame, on a le temps. Pour économiser un peu le moteur, ça c'est important aussi. On regarde pour leur tour, et puis surtout s'il faut aller combattre les poissons la nuit. Voilà, donc la journée on a le temps d'aller poser tranquillement. Donc c'est pour ça qu'on économise la batterie au maximum. Malgré qu'on a une deuxième. Et bon, faut toujours être prévoyant. Et puis ça fait pas de mal, ça fait un peu de sport. Donc là pour l'amorçage, faut pas se presser, hein, parce que comme il y a un petit peu de vent, on a tendance à dériver un peu. Donc, allez, c'est parti, on va amorcer la zone. Tranquillement, on va se remettre en ligne. Donc là on voit bien qu'il y a du gras, ça c'est les pelés, parce que j'ai mis un peu de pelé aussi dans le pour l'amorçage. Voilà, tranquillement on se recale, ça sert à rien de se presser. Tac. Voilà, comme je vous dis, je fais un amorçage un peu plus lourd. On verra bien ce que ça donne. Et je vais regarder une ou deux pelles pour pouvoir, quand je vais avoir posé mon montage. Donc là, je prépare ma pelle, voilà, comme ça prête à faire feu une fois que le montage est en place, vous voyez. Donc on arrive, c'est pour ça que je vous dis, hein, tranquillement, on se presse pas, on a le temps. Voilà, on se recale comme il faut, ça c'est important. Un petit peu de nettoyage sur le bateau. Voilà. Alors une fois que c'est au fond, moi j'aime bien, hop, je soulève le pont et j'en place. Voilà, allez, la petite pelle au niveau du montage. Allez, ça fait un beau nuage. Ça c'est le maïs broyé, le blé broyé qui fait ça. Ça fait un beau traçant. Voilà, là je remets la canne sur son petit support. Tac, nickel. Allez, on se remet en ligne. Voilà, ça c'est moins, c'est propre, c'est nickel, il n'y a pas besoin de s'affoler. Allez, on retourne à la maison. Et on va mettre tout ça en place. Allez, c'est parti. Allez, on va aller voir notre ami Dams qui nous prépare. Salut à tous!
Bon ben voilà, je prépare mon petit amorçage pour la canne en bordure où j'ai fait une décroche hier soir, enfin cette nuit. Donc voilà, je coupe de la bille orientale krill 24 en deux. Je rajoute de la bille broyée qui fait de la petite particule, qui fait un bon enrobage. Donc je vais mouiller ça avec un peu de bait soc et un peu de l'eau du lac, histoire que ça fasse une belle pâte. Et puis on va replacer ça dans l'après-midi sur le petit spot que j'ai trouvé. Donc on va continuer à alimenter ce spot et puis on verra bien. Donc avec un petit stick bien sûr, un petit stick oriental krill. Comme ça, ça pose bien le montage au fond, il n'y a pas d'emmêlement, il n'y a rien, ça pêche. Et puis on va essayer de continuer à faire du fish. Eh bien écoutez, voilà, après 4 nuits d'amorçage, voilà ce que ça donne. Franchement, trop content, à double hec. Comme quoi, il faut persister. Yes. Que du bonheur, que du bonheur. Le petit doublé. Gros petit doublé. Le petit doublé du jeudi matin. Après, franchement. Après 4 jours, que du bonheur. Ah oui, que du bonheur, franchement. Changement de stratégie, changement de spot, ça a payé. Voilà. Amervant. Moi aussi, premier fiche de l'année. Super content. Et en espérant que ce ne soit pas le dernier, il nous reste quelques jours encore à faire sur ce joli lac. Un peu compliqué, mais bon. Hop là, attendez. Voilà. Franchement. Allez, on va les remettre à l'eau. On va les remettre à l'eau. Puis en espérant d'en toucher d'autres. Allez, ciao les amis, en tout cas. Et bien voilà, ça finit par payer. Une petite pêche à la pop-up. Là, le soleil commence à monter et franchement, un beau départ. Franchement, que du bonheur, trop content. Une belle coco tout en longueur. Elle m'a fait un superbe combat. Franchement, c'est que du bonheur. Que du bonheur, encore un beau poisson de Vendée. S'enfonce dans les profondeurs de ce lac du Mervent. Et bien voilà, la session s'achève sur ce magnifique lac du Mervent. On a pu quand même sortir une autre épingle du jeu. Nous avons quand même sorti quelques poissons. N'oubliez pas de nettoyer comme il faut vos postes, c'est important pour les prochains qui arrivent. Et puis que ça puisse perdurer dans le temps, la pêche de nuit. Et bien, bonjour à tous. Et bien là, cette belle session se termine. Tout à fait. Ça y est. On a. Se termine pas trop mal. On est content. On a fait quand même du poisson malgré. Un lac qu'on ne connaisse pas. Ouais, la difficulté aussi du lac. Car il n'arrêtait pas de monter, de descendre. Alors on pensait qu'en faire un poisson ce nuit. Mais bon, c'est pas le cas. On finit par 2 carats 5. C'est ça. 2 carats 5 ce nuit. Et bon, c'est comme ça, franchement, on a quand même passé. Moi, j'ai bravo, vu les conditions climatiques. Un super moment avec mon pote Dams encore, ça fait plusieurs sessions qu'on fait ensemble. Ah, ça fait plaisir, c'est clair. Bon, faut dire, à chaque fois qu'on fait une session, que ce soit Mi Aller, Le Der, où on a été aussi. Dans le Cher. En Picardie. Picardie, dans le Cher. Voilà, franchement, on a fait que des sessions avec un climat comme ça. À chaque fois, la semaine avant, il fait beau, la semaine d'après, il fait beau, mais la semaine de pêche, une. Tout le temps a été une semaine merdique. On part toujours pêcher avec un chat noir. Hein. Tout à fait, ouais. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait toujours plaisir d'être au bord de l'eau, faire des poissons. On a bien mangé aussi. Hein. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petits pouces bleus pour soutenir ma chaîne, d'activer la petite cloche des notifications. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle grande session. À bientôt.